Le plan France Relance, c'est 100 milliards d'euros pour relancer massivement l'économie française. Le deuxième volet de ce plan, c'est la compétitivité. Parce que notre département, ce n'est pas uniquement l'excellence agricole, mais également l'excellence industrielle. Nous devons aider les entreprises à investir. Blocfer fabrique des blocs portes bois techniques pour des marchés du tertiaire. CRP est une entreprise indépendante, familiale et en même temps nationale, qui fabrique des produits en béton pour le secteur des travaux publics. CRP a été fortement impacté par le premier confinement. On a fermé et on n'a pas produit pendant près de 2 mois, ce qui nous a fait un trou dans notre chiffre d'affaires de l'ordre de 20%. Le programme de France Relance est arrivé extrêmement rapidement, extrêmement puissamment, et cette aide de 800 000 euros nous a permis de reprendre le fil normal de nos investissements. Madame la préfète est venue nous annoncer que nous étions lauréats d'une subvention de 575 000 euros pour remplacer une presse qui nous permet de fabriquer nos portes, ainsi que pour la mise en place d'un robot nous permettant de coller ces portes techniques. L'investissement qui a été cofinancé par le programme France Relance est une ligne robotisée de palettisation de produits en béton. Le bilan France Relance est extrêmement positif. Je dois dire qu'au-delà des montants, c'est aussi la rapidité et l'accompagnement technique dont on a bénéficié qui nous a permis de mettre en service cet outil de production dans lequel nous avons investi. Ça nous permet d'ouvrir beaucoup de portes et ça nous donne des perspectives très intéressantes d'amélioration du site. En Corrèze, 11 entreprises industrielles ont déjà reçu plus de 5 millions d'euros. Et près de 3000 entreprises ont pu bénéficier d'une réduction d'impôts de 31 millions d'euros. La relance, c'est aussi en Corrèze.